Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le message intemporel de ce mercredi 24 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, eh bien aujourd'hui c'est respiration, méditation. Apprendre à méditer. S'installer de préférence dans un lieu calme, s'asseoir bien droit. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou au sol, n'est-ce pas? Poser les mains sur vos cuisses, redresser le dos et la tête. Inspirer, expirer en fermant les yeux. Prendre conscience de sa respiration et du mouvement de son corps. Restez ainsi 5 ou 10 minutes à méditer. Davantage si vous avez la possibilité de le faire. En tous les cas, ces instants privilégiés apporteront 1000 bienfaits. Voilà pour la petite philosophie de ce matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le pouvoir de changer. Ah, le pouvoir de changer, eh bien, derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs, n'est-ce pas? Et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient, eh bien, de votre enfance. Et cet oracle, eh bien, il peut vous aider à changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnière de vos choix par, évidemment, ces croyances qu'on vous a inculquées dans votre enfance et qui ne sont plus du tout du même ordre aujourd'hui parce que vous avez vos pensées, votre libre arbitre et que ça ne correspond pas à ce que vous désirez et ce que vous faites. Vous vous sentez peut-être eh bien, dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Vous devez avancer. Il serait peut-être bon de prendre conscience qu'à chaque instant de votre vie, eh bien, vous avez le pouvoir de changer. Oui, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Encore une fois, je vais me répéter, n'est-ce pas? Vous êtes responsable de vos choix. On ne vous met pas un couteau sous la gorge. Et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté. Parce qu'après tout, la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous pouvez changer, si vous le désirez. On vous a inculqué certaines valeurs, certaines croyances, mais qui ne font plus partie de votre vie actuelle maintenant. C'est ce qu'on vous a inculqué, mais vous avez toujours le libre arbitre de changer cela. Et vous seul pouvez le faire, personne d'autre. Vous avez le pouvoir de changer. Petit rituel du changement, en un, pratiquez la visualisation. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je veux vraiment?
Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Assurez-vous d'avoir bien défini qui vous serez lorsque vous aurez changé un vieux schéma de pensée. Ensuite, eh bien, passez à l'action pour permettre à votre visualisation de prendre forme de manière concrète. En deux, diminuez, modifiez ou éliminez certaines habitudes qui ne sont plus en accord avec la personne que vous souhaitez être. Et n'ayez pas peur de laisser mourir des modes de vie, de schémas que vous croyez être les vôtres. En trois, soyez persévérant, persévérante. Pour réussir, n'est-ce pas, il faut de la patience, de la constance et de l'ouverture à laisser aller et à laisser venir les choses. Et enfin, pour terminer, adoptez la pensée positive, imaginez toujours le meilleur en tout, puisque vous le méritez, bien sûr que vous le méritez, donc pensez positif, n'est-ce pas? Quel beau message, hein, le pouvoir de changer par, on nous a donné comme outil des croyances qui sont, voilà, qui ne correspondent plus à la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons la possibilité de changer, nous avons notre libre arbitre, et puis c'est à nous à faire ces changements. Alors, pensée positive, je suis en paix. Même au beau milieu du chaos, du conflit et de la confusion, je trouve un endroit de paix intérieure. C'est pas facile, mais si on y arrive, quel bonheur, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.